Je commence. Pour cette séance, je pense à la première séance en mode distance, en mode visioconférence. Donc, nous allons essayer de faire un petit récapitulatif sur ce qu'on avait déjà vu. Ok, alors. Donc, il s'agit bien sûr de la gestion de projet. Alors, pour ce qui est exercice, je pense qu'on s'est arrêté sur ça. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. D'accord? Ça veut dire comment gérer un projet avec certains nombres de ressources et certains nombres de tâches. Et dans l'exercice, je vous ai dit de faire la STP et la fiche du projet. D'accord? Normalement, vous devez me remettre ça plus vite. Parce qu'on a vu que pour un projet donné, on peut créer ce genre de graphique. Par exemple, là où on a des personnes, des actions livrables, c'est déjà, on peut parler de tâches. Donc, on peut placer des tâches par catégorie. Ça dépend de chaque projet. Okay, donc, si vous trouvez que votre projet, on peut le découper encore plus, c'est tant mieux. Okay, donc, vous pouvez aller encore plus loin dans le découpage de vos tâches. Par exemple, pour faire une maison, on a besoin de plans. On doit décrire ces plans, on doit les détailler. On doit faire sortir des permis de construire, par exemple. Ensuite, on va amener les gros machines, les camions et les axes, etc. Pour préparer le terrain, le terrassement, faire les fondations, faire les dalles, le béton, le ciment, etc. Monter les murs, faire la toiture, ce sont les grosses œuvres. Et ainsi de suite, ça dépend pour chaque type de projet. Donc on appelle ça la STP, en anglais on dit WBS, Work Breakdown Structure, c'est-à-dire le découpe breakdown, jusqu'à trouver la plus petite tâche. Alors nous, pour simplifier, on va pas faire un projet de construction au départ. On va pas faire. Alors, je ne vois que trois personnes actuellement. On va pas faire, par exemple, le projet de barrage, etc. Machin. Donc, on va prendre un tout petit projet, un projet que tout le monde peut faire. C'est, par exemple, préparer une petite recette. Donc, on peut faire cette recette dans une autre si vous souhaitez. J'ai même quelques étudiants qui ont fait des projets pour créer par exemple une chaîne YouTube. Et je leur ai demandé de faire une fiche de projet. Donc je peux partager avec vous un écran d'une étudiante qui avait fait ça. Alors, je vais partager cet écran avec vous. Une question, est-ce que vous avez un groupe WhatsApp? Est-ce que vous pouvez demander aux autres de venir à la réunion? Est-ce possible? Par exemple, dans une autre classe, ils ont proposé ça. Donc, ça veut dire pour faire un tagine, voilà, ils ont cité les étapes pour les préparer. Ils ont même fait une STP. D'accord? Bon, c'est pas pour faire de la cuisine, mais c'est pour simplifier en fait les projets. Avec des durées 3 minutes, 30 minutes, 10 minutes, etc. Okay. Bien. Alors, j'aimerais bien que chacune d'entre vous, chacun, puisse me faire ça. Donc, pour rappel, une fiche de projet, elle constitue un certain nombre de champs. Donc, des champs importants comme le nom du projet, la description du projet, bien sûr, la durée des ressources.
s'il y a un slogan, un logo, donc c'est un petit résumé. Mais par contre, la SDP, en fait, c'est plus détaillé, donc il doit normalement prendre en considération toutes les tâches du projet réparties par catégorie. En fait, là, il y a une remarque très importante. Là, il n'y a pas un ordre chronologique. C'est-à-dire, on peut faire plan avec une autre tâche, peut-être, hein, plus loin. Hein. On peut faire les plans et les permis en même temps. D'accord? Peut-être on peut faire fondation et isolation. La fondation, la toiture et isolation en même temps. Donc on peut travailler en mode séquence, simultané plutôt que mode séquentiel. D'accord? D'accord. Alors, ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent entrer avec nous. Alors, veuillez vous identifier, bien sûr. Alors, allô, c'est qui? Bon, en attendant qu'ils se connectent. Alors, ce qu'on va faire, on va partager un autre écran. Alors, cette fois, je vais faire un écran Excel pour vous montrer juste une formule. Du coup, cette formule-là, on va l'utiliser pour partager, mais plutôt pour estimer le temps. Alors, supposons qu'on est devant un projet, par exemple une tâche qui est préparation des documents. Ah, par exemple, on va faire un dossier d'immigration, un dossier juridique. Oui, c'est qui? Le dernier qui s'est connecté, c'est qui? Bonjour monsieur. Bonjour, je suis combien? Le nom et prénom? C'est Fadi. Adil, monsieur. Ben Ok. Chérif Adil. Ben Chérif Adil. Marhaba. Alors, si je vous dis par exemple ici, veuillez m'indiquer la durée. D'accord? La durée de cette tâche-là. Donc, il y en a qui vont mettre un jour, une semaine, 3 jours. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'estimer la durée? Ok? Donc, par exemple, on peut mettre par exemple une journée. Et on peut vous dire comment vous avez estimé ce temps-là, une journée, à partir de quelle expérience, de quelle formule vous l'avez faite. Alors, ce qui est, c'est que souvent, il y a une durée qu'on appelle une durée normale. Hein, une durée normale, c'est-à-dire la durée que tout le monde fait. Il y a une durée qu'on appelle la durée optimiste. Il y a une durée qui s'appelle pessimiste. Il y a la durée normalement estimée. C'est ce qu'on veut trouver. C'est-à-dire estimée, c'est-à-dire combien. Alors normalement, pour une tâche donnée, on doit trouver cette durée-là, la durée qui est ici, à partir de ces trois informations. Et, par exemple, si je vous dis préparer le document, oui, pour un comptable, peut-être, je ne sais pas, ça va prendre une semaine, 7 jours, 5 jours plutôt, hein, 5 jours. Durée optimiste, ça veut dire dans le cas où tout va bien, dans le cas où on n'a pas de problème. Donc, on peut faire les documents en 3 jours. Et on a de la chance de faire les documents en 3 jours. Il y en a qui vont dire attention si ça coince, si il y a un problème dans l'administration, on a une surcharge dans le bureau, etc. Ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Ça peut prendre peut-être 10 jours pour préparer ce dossier-là. Alors, comment peut-on estimer la durée sur la base de ces trois informations. Je voulais te d'abord. iPhone, c'est quoi? iPhone, c'est qui?
الو ايفون كيا انا فون Parce que je fais la présence hein, en parallèle. D'accord. Alors, pour calculer ça, normalement, on va faire une formule. C'est que dans cette formule, on va. Kautsar Ajnani. OK. Très bien. Alors, dans cette formule, on va faire la durée normale plus la durée optimiste. Plus la durée pessimiste fois 4 et le tout sur 6. Parce que le coefficient pardon, de la durée normale, il est fois 4, 4 fois les autres. Okay. Donc je vais faire la durée normale fois 4, parce que c'est le plus fort probable qu'on peut faire. Plus la durée optimiste, plus la durée pessimiste. Okay. Alors pour mieux. Donc, vient la formule, donc on déroulera entre parenthèses. Donc, ça entre parenthèses. D'accord. Et le tout divisé par 6. Non. Pourquoi on a multiplié par 4? Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer ça. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir la formule. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'estimer le temps. Okay. Alors, pour estimer le temps d'une tâche, vous devez préciser quelle est la durée normale dans laquelle on fait la tâche. La durée optimiste, si on est chanceux, tout va bien, combien de temps on va la faire? Et si tout va mal, dans combien de temps on peut la faire? Alors, pourquoi on a fait 6? Parce que le plus souvent, 4... fois 4, mais 4 fois la normale, on arrive à la faire dans le temps normal. Okay. Donc, ça, ce sont des exceptions. Alors, tout ce que vous avez ici sont des exceptions, des risques. Et ces exceptions, ce n'est pas souvent qu'on trouve des exceptions, c'est plus ou moins rare. Okay. Alors, le facteur qui va déterminer la différence entre la durée normale optimiste et pessimiste, c'est que la durée normale, on va le multiplier par 4. C'est-à-dire parce que c'est la plus vraisemblable. D'accord? Dans le plus souvent des cas, donc on tombe sur la durée normale. Alors je reviens à ma formule. Alors la formule est comme ça. Ça veut dire la durée normale, on va multiplier par 4. Donc 4 plus 1, c'est 5, plus 1, c'est 6. Donc durée normale, elle prend le poids de 4 fois les autres. Okay? Donc, on va accentuer sur la durée normale. La durée optimiste, c'est fois 1. Et la durée pessimiste, c'est fois 1. Ça va donner 6. Donc, ce qui fait... Ok, non, attendez, qu'il y a une petite erreur apparemment. Plus. Alors, il manque des parenthèses, non? Vous voyez pas? Là, il manque des parenthèses, début, des parenthèses de fin. Alors, maintenant, c'est bon. Alors, la durée normale fois 4, les autres fois 1, donc le tout fois 6, sur 6. Alors, c'est qui vient de se connecter, Galaxy? Alors, ce qui nous donne une durée estimée de 5,5 jours. D'accord? C'est-à-dire, normalement, on le fait en 5 jours. Si on prend des risques, on va prendre en considération qu'il peut y avoir des risques. Alors, ça va donner 5,5. Alors, c'est ce que vous devez indiquer ici. Là, vous devez faire 5,5. Si vous avez du mal à estimer le temps, utilisez cette formule pour estimer le temps qu'il faut afin de réaliser une tâche. D'accord? La question.
Avez-vous compris ça? Non. Qui a dit non? Ibn Sharif. Hadi Ibn Sharif, je ne me fais pas. Fois 4 sur 6. Ah, c'est fois 4. Ah, c'est fois 4. انت مثلا ملي كتجي من الدار عطيك مثال ملي كتاخذ ترونسبور ولا عندك طوموبيل ولا هذا نورمالمون شحال كدير ديال الوقت من الخدمه للدار نقولك ان كارت دو هكاك ان كارت دو الوغ تصور دابا شي صاحبك وكان معاك في الخدمه ووصلك معاه وي خديتو ان راكورسي وكانت الطريق خاويه الفروجات كاملين شاعين بالخضر شحال دير ديال الوقت 10 مينوت فوالا وتصور الطريق عامره وما لقيتيش ترونسبور ما كاين حتى حاجه كيفاش توصل شحال دير الوقت باش توصل للدار الطريق عامره والضوء الحمر والطياش تشوف دونك سي تاب واحد 40 45 مينوت اكزاكتومون سي سا دونك بيسيمي سي 45 مينوت فوالا اوبتيميز سي 10 مينوت نورمال و فيت ان 15 مينوت تشوف نقول لك واخا او موين شحال تقدر توصل للدار تو دو فيغ سي فورميل هادي تجي هنا وتقول لي لا نورمال هي هادي دونك هي في الغالب كنديرها هي اللي خصني نعطيها الفوا اكثر باش نركز عليها باسكو هي ديما اللي كتصدق ليا بلوس هاد لا ديوغي هادي باش ناخذ بحال الاعتبار الحالات اللي تيكون عندي فيهم الزهر زائد هادي باسكو يمكن نطيح شي نهارات فيهم لومبوتياج وفيهم الضوء حمر بزاف دونك وهادي باش ما تكروزاش لي مع الاخرين كنديروا لي بارونتيز ici بحال هكا اي تو ديفيز لو تو على 6 حيت عندنا دابا 6 ديال المعاملات عندنا 4 بلس 1 بلس 1 هي 6 دونك ديفيزي بار 6 دونك نورمالمون انت خصك تيستيمي لو طون ديال الدار 19 دقيقه هادي لي استيماسيون اللي خصك دير تو ما تقولش 15 مينوت تقول 19 مينوت او كا او فهمتي دابا هادي وي مسيو وي وي داكور دونك هادشي علاش كنديرو في لوجيسيون دي بروجي ليستيماسيون دو طون سور لا باز دو سا داكور هاد المثال اللي درت معاك مزيان داكور ديال لو ترونسبور لو ديبلاسمون مي اون بو لابليكي سور توت لي زوتر تاش اي تاش بغيتي قول لي شحال شحال نورمال شحال كديروها سي تو فا بيان سي تو فا مال اي اون في سيت فورمول اي اون لا تروف الوغ Safa vient de nous rejoindre. Vous avez le temps, je me parce que d'abord, il y a le hadr ou d'akshi, quand on a couché d'abord, si on est disponible, non? On a dit l'homme à Stan, c'est libre. J'ai une stance, monsieur. Stance. Ça veut dire que la prochaine fois, on dit l'homme à Stan. Les autres, qu'est-ce que vous dites? Alors, tu fous les autres, c'est un petit moment. Alors, voilà. C'est bon, alors, chal, on a moi, d'abord, la classe. Ok, d'accord, ça va être flat. Voilà, d'accord, très bien. Alors, pour vous, 18h30, Galicom Adil, je ne sais pas comment. Oh là là. Donc, quand tu as regardé, oui. Oui, tu es stance, ok. Stance, ça veut dire prendre ma stance. Stance, ok. Alors, je vous fais bien. Donc, bien sûr, comme l'exécution des mots. Alors, on avait parlé d'une recette de cuisine, machin, etc. En abritco, il y a ce qu'on appelle, à part la SDP, bien sûr, la SDP, mais je vois qu'un touchit, c'est ça, ou le FIA. Sinon, on passe à autre chose. La SDP, c'était ça. La SDP, c'était ça. Donc, il fallait découper le projet en plusieurs phases et chaque phase des étapes. Donc, voilà, donc essayez d'appliquer ça sur un projet de votre choix. Okay. Vous allez connaître un projet, bon. Personnel ou professionnel, on pourrait prendre l'exemple de la comme ça. Déjà, on a fait un exemple de Fumara. On a la fiche de projet et la SDP d'hier. Et pour faire, je pense,
باش يمكن لنا مثلا نمشيو بعيد اون بو باغ اكزومبل directement dire que ce projet-là, il y a une phase de préparation, ça veut dire qu'on doit préparer tout ça. Hein? Donc, avant de lancer la cuisson, on peut préparer tout à l'avance. Okay? D'accord? Ensuite, il y a bien sûr le feu, par exemple, on doit chauffer, et par la suite, on doit préparer les œufs, etc. On doit les battre, la pochette, etc. Et jusqu'à, bien sûr, faire plier, jusqu'à verser et préparer. Donc, vous pouvez imaginer qu'on peut mettre ça par phase. Par exemple, environnement, préparation, cuisson, c'est pas la question, décoration et présentation, la dégustation. Okay? Donc, vous pouvez diviser toutes ces tâches par type. D'accord? C'est très, très facile. Et on peut appliquer la même technique à n'importe quel projet. N'importe quel projet, vous pouvez faire pareil, vous pouvez faire la même chose. D'accord? Alors, je vous montre un exemple d'une étudiante qui a voulu faire une chaîne YouTube. D'accord? Donc, elle a créé, je vais partager l'écran avec vous. Voilà, donc, elle a voulu créer une chaîne YouTube qui va nommer Cooking and Beauty. Okay. Voilà, elle a fait un logo comme ça. Et là, dans la description du projet, elle a dit une chaîne basée. Vous arrivez à voir, Yac? Donc, une chaîne basée sur la cuisine et le make-up en général, mais l'on pourra également apporter sur les sujets qui sont d'actualité. Donc, durée de projet. Bon, elle a compris que la durée, c'est la durée des vidéos, hein. Donc, le coût de son projet, combien? Donc, il a dit que c'est gratuit, il suffit qu'on s'abonne. Donc, il a essayé de mettre en place, bien sûr, sa SDP. D'accord? Et il a normalement fait des tâches ici, mais il les a fait textuellement. OK? Bon, l'idéal serait de faire les tâches de manière courte. OK? Juste le nom des tâches, sans entrer dans les détails. OK? Pour que, comme ça, votre SDP soit lisible. Et compréhensible du premier coup d'œil. D'accord? Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Donc, essayez de faire pareil. Donc, faites, là, c'est pas fiche de profil, mais fiche de projet. Okay. D'accord? Fiche de projet. Donc, faites, voilà, un nom, un type, un logo, une petite description, quelle est la durée et le coût de votre projet. Essayez de tracer votre SDP. D'accord? Moi, je vais vous donner je vais redonner plutôt cet exercice-là que vous devez normalement le compléter. Sinon, je vais vous envoyer un autre document. C'est presque pareil. Alors, cette fois, c'est... D'accord? Alors, remarquez, des tâches, ils sont là. Avec, quelque part, il y a des durées, des choses que vous devez estimer ici. Et à la fin, vous devez faire sortir une fiche de projet et un SDP, d'accord? Donc, je vous laisse le temps de copier ça, d'accord? Donc, sinon, vous prenez ça en capture. De toute façon, j'essaierai de partager ça avec vous, mais ça sera un peu plus tard. Mais vous pouvez prendre ça et essayer aujourd'hui de dessiner dans votre fiche de projet et votre SDP, d'accord? Alors, il y a des personnes qui en manquent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4. Alors, c'est qui le numéro de téléphone qui termine avec 95? C'est le 5, je coupe le téléphone 26. C'est un PC. Quoi? C'est portable. Je n'ai pas de numéro de téléphone. Non, il y a une autre personne ici. Et le A7, c'est qui le A7 de Samsung? Norhiji. Norhiji, ok. Parce que je n'ai pas encore noté le nom d'Yek, les présents. Norhiji, ok. Alors, qui d'autre?
Et à présent, bon, je pense que c'est quelqu'un, ok. Ok, alors, ça, je vais le partager avec vous. Et je pense que vous avez assimilé à la, le calcul qu'on a dit sur, sur Excel. D'accord? Alors, je vous rappelle qu'une tâche veut dire qu'il y a une personne qui fait une action et qui, à la fin... Ah, bonsoir, madame. Bonsoir, Bonsoir, ça ça va, va? vous allez Alhamdoulilah, merci. bien? Tout le monde est là? Oui, presque. Il manque chez deux personnes. C'est le cours du soir, c'est ça? Oui, Gestion de ça, c'est projet. gestion de projet, cours du soir, management, troisième année. Alors là, on est en train de compléter le cours de l'autre fois, la SDP, la réalisation d'un projet, comment on peut le découper. D'accord. Voilà, donc un domaine d'exercice à faire. D'abord, je suis Très en bien. train de leur expliquer le TP qu'ils doivent normalement réaliser. Très Alors, bien. Donc, bon courage pour tout le monde. merci. Merci. Madame. Laissez les comptes. Merci. Salam alaikum. Merci. Au revoir. Au revoir. Revoir. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. D'abord. Tout est clair, Yac. On va faire une chose en parallèle. C'est que, on va créer une classe virtuelle dans la plateforme Google Classroom. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé. Donc, je vais entrer votre bon nom, d'accord? Et on va partager ça. Donc, le cours, la vidéo et tout, vous allez trouver tout à l'intérieur, ok? Vous pouvez récupérer, vous pouvez commenter, envoyer vos questions. Parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à la semaine prochaine. Hein. Vous pouvez déjà participer à ce cours à travers cette plateforme qui est Google Classroom. Okay? Donc là, je vais écrire le nom pour que vous puissiez déjà l'installer. Donc si vous voulez, donc ça s'appelle Google Classroom. Donc vous pouvez l'installer. Sinon, vous travaillez depuis votre ordinateur, ça marche aussi. Hein. Classroom, on a déjà installé. Comme déjà, donc c'est bien. Donc, je vais partager ça avec vous encore une fois pour cette partie. Et si vous avez des questions, là, donc vous pouvez l'écrire, m'écrire directement les commentaires de la classe. Autre chose, la prochaine fois. Allez, je laisse maintenant de la révision parce que la prochaine fois, on va travailler sur les tables des tâches. Donc, la table des tâches, c'est un niveau encore plus avancé que la SDP. D'accord? Donc, on a la SDP, on va travailler maintenant la table des tâches et vous devez savoir calculer le temps, estimer le temps. D'accord? Donc, entraînez-vous sur ces deux exercices simples. Donc, omelette et tagine, si vous voulez. Et faites-moi une fiche de projet, une SDP. Capturez l'écran, sinon vous m'envoyez le résultat directement. Et comme ça, on peut attaquer la partie table des tâches la prochaine séance, Inch'Allah. C'est bon? Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense au personnel. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Alors, s'il y a des questions, je ne sais pas si tout le monde m'entend parce que... C'est bon? Alors, je vous souhaite bonne soirée. Faites attention à l'extérieur. Hein. Je pense que la plupart Martin je là. Il y a quelques déplacements. Oui, la plupart. La plupart, d'accord. Donc, le temps qui nous reste d'abord, donc il faut en profiter. On se voit, Inch'Allah. On se voit, Inch'Allah, la prochaine fois. Et à la bonne soirée. La bonne soirée, merci. Voilà.